La République, oui, la République démocratique du Congo, on en parle encore, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Décryptage, une émission qui se propose de décrypter ou de faire la lecture pour vous avec les invités sur ce plateau, les analystes, les acteurs sociopolitiques de notre pays, l'actualité, sur l'actualité de le définitif depuis samedi, il y a des rififis courant au sein de l'État, famille politique de la Chambre haute du Parlement qui sont contre certains choix et au détriment d'autres, ou bien ce sont des cas isolés de la contre la vie chère en République démocratique du Congo. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que cela va vraiment pays en termes du social, vu que le courant qui est au pouvoir, c'est un courant socialiste. Pour parler de tous ces sujets, j'ai en face de moi Eric Tshiswaka. Il est cadre et communicateur du parti politique AFDC de Modeste Batilukwebo. Eric Tshiswaka, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Je pense aussi que le pays aussi va bien. Comme vous bonjour. Allez. Ah, merci beaucoup Eric Tshiswaka. On va un peu parler aussi de vous un tout petit peu. Récemment, vous avez été victime, j'ai vu dans vos réseaux sociaux, on va dire d'une intolérance politique telle que vous l'avez définie. C'était quoi au juste? Quelle est la suite? Est-ce que l'électronutrient a été maîtrisé ou... Vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont terrées lorsqu'ils attaquent les autres. Mm-hmm. Sur les réseaux sociaux, quand ils font leur sortie médiatique. Mmh. Certains sont heureux de le faire, mais n'acceptent pas, c'est-à-dire des réponses à ces théâtres qu'ils font. Mmh. Et il est vrai que j'ai été victime, je dirais, d'enlèvement, d'une attaque à ma personne. J'étais heureusement accompagné d'un ami qui est aussi cadre d'un parti politique, qui a vu la scène se passer. Okay. Et donc, il y a certains camarades qui m'ont demandé, j'étais prêt à porter plainte, j'avais déjà rédigé ma plainte, mais comme nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et comme le pire n'est pas arrivé, j'ai dû retirer ma plainte, et okay. Je me suis comporté comme un enfant de Dieu, et je crois que celui qui a osé faire cela, c'est un adolescent, puisque quand on est... C'est un adolescent. Évidemment, quand on a la maturité politique, On subit des coups politiques. Et on continue à travailler quand on a l'objectif d'atteindre. À... Évidemment, Tshisekedi et Félix en a subi, il subit jusqu'à aujourd'hui. Joseph Kabila continue de subir cela. Est-ce qu'avez-vous déjà vu Kabila dans une voiture en train de filer ceux qui l'attaquent matin, midi, soir? Donc je crois qu'en politique, il ne faut pas être un adolescent, il faut être quelqu'un qui a de la maturité. Et nous sommes aux côtés de Modeste Bahati qui subit des fois des injustices, des insultes à sa personne, même à sa famille. C'est un parent responsable, mais lorsqu'il est insulté matin, midi, soir, il subit cela et sa maturité politique fait qu'il puisse continuer puisqu'il a besoin d'atteindre les objectifs fixés. Et donc c'est dans ce sens-là et nous continuons à être formés par Modeste Bahati et je crois que c'est une école et nous continuons à travailler dans ce sens-là. Les insultes seront là, on va continuer à nous filer, mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons continuer à avancer. Les chiens aboient, la caravane passe. Heureusement que vous êtes en forme, on a vu, merci beaucoup pour cela. Et puis, on a suivi dans l'actualité, il y avait une interview du chef de l'État qui a été diffusée la semaine passée, mais ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler que le chef de l'État est seul? Parce qu'on a vu des lapsus qui étaient passés. On a vu aussi des mots durs contre certains cadres politiques qui étaient passés. Est-ce que Félix Tshisekedi est seul? D'abord, cette sortie médiatique, je n'étais pas d'accord. Ça n'engage pas ma formation politique. Ça m'engage, moi, comme analyste aussi et acteur politique. Mmh. Je pense que le chef d'État devrait se reposer et qu'il ne pouvait pas faire cette sortie médiatique. Ce n'était encore pas qu'il était convalescent. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il n'était pas important à la présidence de communiquer sur la maladie du président de la République. On pouvait simplement dire que le président est allé pour un check-up. Notre président. Non, mais attention, attention. C'est vrai qu'il est notre président, mais c'est un père de la nation. Et un père de la nation, bien qu'il souffre et il est malade, il y a des moments où il ne peut pas mettre ses enfants en danger. Et, puisque ses enfants auront la peur. Vous savez que nous sommes agressés par les ennemis de la nation, notamment l'AFC de Corneille Nanga, vous avez l'M23 de l'autre côté, à l'est de la République ça ne marche pas, et vous imprégnez sur les réseaux sociaux une
publication de la maladie du président, on parlerait de prostate, on parlerait de l'hernie discale, on parlerait de la maladie du cœur et tout ça. Et ça laisse à désirer. Pourquoi ne pas dire que le chef de l'État est allé pour un check-up médical et s'est limité que dans ça, en fait. C'était ça. Et pourquoi après, les présidents devraient faire une sortie médiatique? Je crois que ça a été très mal travaillé par d'abord l'équipe de la communication du président. Nous avons été dans ces pays avec Kabila. Il tombait aussi malade comme un être humain. On ne va pas dire que c'était un... Ce n'était pas un dieu, évidemment. Mais je ne sais pas si, à moins que ma mémoire ne me trahisse, si on a déjà vu la présidence à l'époque faire des communiqués pour dire, voilà, Kabila est malade, il souffre de ceci, il souffre de cela. Même sous Mobutu, vous savez, lorsque Mobutu a été frappé, il était sévèrement malade avant sa chute. Oh. Mobutu, la relation des communications qui stratégique, je crois que c'est la Belgique ou la France, à moins que je me trompe, qui ont parlé de la maladie de Monsieur Laurent Désiré Kabila. Et donc, je crois que le chef de l'État est le patrimoine. Il doit être protégé, il doit être sécurisé et il mérite être entouré par des personnes qui réfléchissent avant que le chef de l'État parle. Et le chef de l'État ne peut pas improviser un discours. Il ne peut pas dire tout ce qu'il pense dire. Il y a des choses qu'il peut dire, mais le chef de l'État est privé de dire certaines choses. Et ça, ça se travaille. C'est une question de formation, d'avoir des gens outillés qui doivent entourer les présidents. Le président n'est pas... Le président les écoute. Hein? Oui, mais attention, le président n'est pas censé écouter tout ce qui est dit. Non, il doit filtrer ce qui est dit. Vous savez, aux États-Unis, dans certains pays développés, le chef de l'État ne peut pas... comment dirais-je? Lorsqu'il est même sécurisé par son équipe, il ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui veut mettre en mal ce qu'ils font sa sécurité. Puisque ceux-là connaissent les technicités ou la technicité, connaissent les méandres, connaissent tout ce qu'ils doivent mettre en place pour sécuriser le président. C'est-à-dire, ce n'est pas à lui de dire à son agent de sécurité, soit derrière moi, ou soit devant moi, soit à ma gauche et à ma droite. Et c'est comme ça que lorsque le chef de l'État est là, il est entouré des communicateurs, des politologues, ceux qui ont fait la science politique, ceux qui ont fait les relations internationales, ceux qui ont fait le droit, ceux qui ont fait la communication, la sociologie, ce sont des experts outillés. Ils peuvent dire au président, quand vous parlez, vous devrez vous positionner de cette manière. Ce n'est pas au président de l'air de dire, je me positionne comme ça. Non, il est président, il est interdit. Là, il doit obéir à ce qui est dit. Donc, ils ont failli à leur mission. Je dirais ici, je vis certaines personnes dire, quand en France, un président tombe malade, on dit, je crois qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent. C'est le contexte d'abord de notre pays est vraiment différent de certains, des contextes de certaines nations. Nous sommes en période de guerre. Et nous sommes en période de guerre, notamment. Ça, c'est aussi une des choses importantes que nous devrions comprendre. On doit avoir un président qui est debout. On doit avoir un président qui est debout, on doit avoir un président qui a la discrétion, on doit avoir un président qui est sage et on doit avoir un président qui doit s'impliquer corps et âme pour trouver des solutions. Et un président qui doit sanctionner, un président qui a de la rigueur. C'est ça, c'est très important. On ne peut pas mentir au président, dire, voilà, ça c'est, il faut vous, vous comporter comme Barack Obama, ça peut marcher. Attention, ce sont des choses comme Joe Biden, à la fin des comptes, il a... évidemment, évidemment. Voilà, c'était là les mots introductifs, bien évidemment, mais on va entrer justement dans les vifs du sujet. Nous n'avons rien contre ceux-là qui entourent le président de la République, mais ce sont quand même des choses à revoir et à corriger. Ça a fait débat sur les réseaux sociaux, ça c'était allé dans tous les sens. Mais on va revenir quand même sur le Sénat. Le bureau définitif a été mis en place le lundi. Quelle lecture faites-vous d'abord de ce bureau définitif? Est-ce que ça sera un bureau à la hauteur de la tâche? Vous savez, dans ces pays, nous n'avions pas un problème de bureau ou de sénateur. Ce que j'entends certains dire, écoutez, qu'est-ce que le Sénat apporte en RDC? Il faudrait supprimer aussi, les Sénats. Il y a un débat autour de ça. Oh non, ça bouffe l'argent de l'État. Je crois que cette réflexion ne tient pas lieu. Les gens font la comparaison entre la République démocratique du Congo et le Sénégal. Écoutez, au Sénégal, on a supprimé les Sénats, mais est-ce que lorsqu'on a supprimé les Sénats au Sénégal, ça a apporté des solutions à la population sénégalaise? Ça a dégraissé quand même. Non, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela ait été le cas. Est-ce que ça fait en sorte qu'il y ait de la liberté de l'expression au Sénégal? Vous vous rappelez de ce qui s'est passé récemment, il y a quelques mois, quelques semaines, où il y a certains opposants qui étaient arrêtés. Avec Macky Sall. Et avec Macky Sall, vous savez ce qui s'est passé. Mais c'est quand même l'un des pays les plus démocratiques d'Afrique. Hein?
Non, mais écoutez, on ne refuse pas que ce pays est un pays qui la démocratie est exercée et tout ça, mais au-delà de ça, nous avions vu les comportements de Macky Sall. C'est lui qui est aujourd'hui président de la République. Vous savez comment il a subi de pression. Même celui qui est actuellement son premier ministre, il a été arrêté injustement. Et donc, on ne peut pas, les contextes sont différents. Et aussi, le problème dans ces pays, ce n'est pas ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale. Mais nous avons un problème que j'ai toujours dit, un problème de la politique de gestion, qui aujourd'hui, à mon humble avis, n'est pas mise en application comme il se doit. Et nous avons une sorte de légèreté dans le contrôle, dans la sanction également. Et je l'ai toujours dit partout où je passe, c'est vrai que je suis de l'Union sacrée, mais je n'accepte pas les antivaleurs, l'impunité, l'immoralité. Nous avons un problème lorsque. Comment dirais-je, lorsque nous planifions, lorsque l'État planifie, organise sa politique, lorsqu'il dirige sa politique, il y a simplement un problème de contrôle, de gestion et tout ça. Il y a des gens qui commettent des bavures, il y a des gens qui détournent l'argent de l'État, il y a des gens qui font ceci, qui ne sont pas arrêtés, et qui sont libres et qui font ce qu'ils font. Si aujourd'hui on supprime les Sénats, prenons, acceptons que les Sénats les suppriment aujourd'hui, pensez-vous que ça va réduire les détournements? Celui qu'on les certaines personnes qu'on cite qui sont dans certains ministères, qui sont au gouvernement, qui détournent l'argent de l'État, sont-ils des sénateurs? Est-ce que tous sont-ils des sénateurs? Là n'est pas un peu. On ne peut pas réfléchir comme ça. Il faut réfléchir autrement. Comment allons-nous faire pour qu'il n'y ait plus de détournement en République démocratique du Congo? Les Sénats peuvent exister. Et quand on dit le Sénat, ça prend beaucoup Ça prend d'argent, beaucoup d'argent, on dit inutilement. Le travail inutilement. que fait le Sénat, l'Assemblée nationale peut aussi Non, le faire. attention, le Sénat fait ce qu'on attend par la deuxième lecture, et c'est la chambre de sages. C'est la chambre de sages. Et le Sénat réfléchit sur des questions importantes, des questions d'État. Certainement des questions qui sont peut-être réfléchies au niveau de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas peut-être abouti à une sorte de solution, qui sont ramenées par la chambre des sages qui doivent réfléchir. Vous allez vous rappeler qu'en 2015, nous avons eu un problème dans ces pays, je crois qu'avec Kingwa Dondo, qui a dit aux députés nationaux et également aux sénateurs, faites attention, si nous Avec la loi prenons, électorale. évidemment, si nous prenons les décisions qui, par plaisir, puisque Pour nous raser voulions, le pays. évidemment, ce pays sera détruit, ça sera une sorte de balkanisation. C'est la sagesse qui avait primé. Alors qu'à l'Assemblée nationale, on avait précipité la loi en La loi, question et c'était passé. Et en première lecture. évidemment, il a fallu que le Sénat réfléchisse. Et la sagesse de Kingwa Dondo a sauvé la nation. Cet homme mérite beaucoup de respect, beaucoup de considération. Et c'est les sénateurs qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui à ce moment-là, doivent être remerciés pour ce travail qu'ils ont fait. Au-delà de ça, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau du Sénat. Donc pour vous, en RDC, le Sénat vaut tout son pesant d'or. Évidemment, et la RDC est un pays continent qui a beaucoup de défis à pouvoir élever. Les sénateurs sont des représentants de chacune des provinces. Et vous savez comment nos provinces sont gérées, vous savez les conflits qui existent avec les assemblées provinciales, etc. Tout ce qu'il y a là, il faut que les sénateurs puissent réfléchir. Mais le problème n'est pas que ils consomment beaucoup d'argent et tout. D'argent et tout. Le problème, c'est qu'il faudrait maintenant canaliser l'argent de l'État. Ceux qui sont dans les institutions, qu'est-ce qu'ils en font? Il y a des détournements qui existent. C'est ça le problème. Alors, il faut maintenant accentuer, accélérer la politique des sanctions, des contrôles. L'inspection générale des finances fait son travail, mais ce n'est pas seulement l'inspection de le faire. Le Parlement et aussi cette institution, Justement. justement, des contrôles. Ils doivent faire les contrôles parlementaires. La Cour des comptes aussi doit faire ses contrôles parlementaires, dans la véracité, dans la logique. Et cela permettrait à la nation de pouvoir avancer. Quand il y a un contrôle parlementaire qui est faible, vous savez, aujourd'hui, même le chef de l'État a dit que nous avons une justice qui était malade, puisque Oui, l'inspection justement. générale des finances Jusque-là, elle n'a pas encore n'a guéri. pas, n'a pas évidemment. L'inspection générale des finances qui fait son travail, mais après, La c'est justice, une lettre morte, la justice est quasiment inexistante. Mais aujourd'hui, je sais qu'avec l'arrivée de Constant Mutamba, que je vois aujourd'hui qu'il y a des initiatives portées par lui, j'ose croire que cet acteur politique de l'opposition qui est aujourd'hui au sein des institutions veut des réformes au niveau de ces Ah, secteurs. il n'est plus de l'opposition quand même. Je crois que Constant Mutamba est en train de servir la nation, Ouais. puisque, au Au sein fait, du gouvernement. quand il s'agit de la nation, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, c'est la nation qui prime. Je parle quand il faudrait servir la nation. Mais lui s'est positionné, son parti politique s'est positionné dans l'opposition, d'autant plus que vous allez vous rappeler du discours du président de la République, qui avait dit qu'il a tendu la main à tout le monde, que ce soit ceux qui sont dans l'opposition. Et Mutamba est dans une opposition républicaine. Une opposition républicaine, ça veut dire une opposition qui réfléchit.
Un opposant qui jure loyauté au chef de l'État. Non, mais quand on, la loyauté, c'est quoi? Ce n'est pas la loyauté à la personne du président de la République. La loyauté à la vision qui est prônée par le président de la République. Il faut qu'il y ait cette différence-là. On a la loyauté sur la vision qui est prônée par quelqu'un en disant, je jure que vous avez dit qu'il ne faut que je puisse lutter contre l'impunité, l'immoralité. Moi, je jure, prenez les valeurs que vous prenez, que vous voilà, que vous êtes en train de prôner, etc. Et donc, je crois que ce n'est pas sur la personne du chef de l'État qu'il a juré, mais c'est sur la vision du président. Et comme un acteur politique, il est important à celui-ci de faire dans la vision du président pour que les institutions de la République fonctionnent de la très bonne manière. Mais déjà, il y a des frustrations. Ouais. On a vu le MLC qui s'est insurgé, un tout petit peu certains cadres, on ne va pas dire tout le MLC, parce qu'il y a quand même des structures et des organes au sein du MLC, mais il y a quand même certaines voix qui se sont élevées. Il y a aussi du côté de l'opposition quand même, on va dire que Salomon Kalonda qui a été roulé un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces frustrations-là, ce n'est pas un mauvais départ pour le Sénat. Nous sommes dans une démocratie, il y aura des choses qui vont naître, il faudrait réfléchir, trouver des solutions, c'est tout à fait normal. Nous, nous avions aussi l'AFDC, avions subi des injustices jusqu'à vous reconnaissez quand même qu'il y avait évidemment, des injustices. Évidemment, je l'ai dit. Et vous êtes vrai. Des victimes. Évidemment, nous sommes des victimes. D'ailleurs, le premier victime au sein de l'Union sacrée, c'est l'AFDC. Par la crainte, évidemment, par la crainte. Il y a des gens de Tshilingobila qui n'ont rien eu alors qu'ils ont été députés. Oui, ils sont aussi frustrés, ils ont subi de l'injustice, mais je dis ici, l'AFDC est le premier parti politique en RDC, au sein de l'Union sacrée, qui subit de l'injustice et qui continue à les subir. Comment ça? Vous allez vous rappeler, lors du gouvernement Samalo Kondé, nous avons été privés de certains ministères, ravis par certains. Vous vous rappellerez du ministère de l'économie, vous allez vous rappeler du portefeuille avec Adel Kayinda à l'époque. Quand il y a eu remaniement, ses postes revenaient à l'AFDC. Mais on a donné l'UNC. Et puis Adel Kayinda qui a quitté l'AFDC, qui est resté avec cette fonction-là. Nous avons fait des réclamations. Il n'y a pas eu de réponse appropriée à ce sujet. Et nous sommes partis. Et nous sommes restés fidèles à la vision du président puisqu'il s'agissait de la nation. Est-ce que cela ne révèle pas la faiblesse ou la fragilité de l'Union sacrée de la nation? Non. C'est vrai qu'il y a des coups au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi à chaque moment nous nous demandons que le chef de l'État, reconnu par l'article 69 de la Constitution, garant du bon fonctionnement des institutions, de jouer son rôle. Le rôle, c'est d'un père lorsqu'il y a des frustrations au sein de la famille, de pouvoir les gérer, de trouver des pistes, des solutions, de ne pas privilégier les autres au détriment des uns des autres. Et nous sommes en politique de reconnaître les forces politiques. Nous nous disons, nous sommes sous, lors de la coalition FCC-CACH, nous fîmes la première force politique en RDC. Actuellement, après les élections, nous sommes la deuxième force politique. Et donc, même dans le partage des tâches des responsabilités, le poids politique compte. Vous avez quand même des ministres. Non, mais ce qui nous a été donné... À l'Assemblée nationale, vous y êtes au Sénat aussi? Non, l'Assemblée nationale, ça n'a pas été un cadeau, c'est un travail que nous avons fait. L'AFDC a produit 40 députés nationaux. C'est un travail. Ce n'est pas le chef d'État qui nous a donné les députés. Nous avions travaillé pour avoir ces députés-là. Nous avons des sénateurs, nous avons des députés provinciaux, des conseillers, évidemment. Évidemment. Donc, on a toutes ces personnes qui ont battu campagne pour les présidents. Constitue la force de l'AFDC. Même la force au sein des Lions sacrés. Nous sommes actuellement la deuxième force politique. La logique était que lorsque l'UDPS a un président qui est Tshisekedi, puisqu'il vient de l'UDPS, vous avez un premier ministre qu'on nous a dit qu'elle était de l'UDPS. Ah, qu'on nous a dit. Oui, mais moi, j'ai vu Soumouino Toulouka être présenté par l'UDPS comme cadre de l'UDPS. Okay. Alors, comme nous sommes la deuxième force politique, la logique, c'était que l'AFDC soit au niveau de l'Assemblée nationale, puisque c'est la deuxième force politique. L'AFDC pouvait avoir une institution, c'est-à-dire devait avoir l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Il a plu au président de la République de jouer de sa politique. Il a préféré, les autres ont préféré, M. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes pliés à la volonté du président de la République. Mais c'était une injustice, puisque nous sommes la deuxième force politique. Vous devriez quand même avoir une institution. On devrait quand même avoir une institution. Et donc, votre partenaire a deux grandes institutions. Évidemment. Nous nous sommes dit, bon, les chefs a préféré, les chefs a jugé. Bon, bah, écoutez, nous continuons à être là, mais nous rappelons au président de la République que la maturité politique n'est pas frustrer les autres. Et nous sommes partis pour le bureau du Sénat. Et vous savez ce qui avait été. Beaucoup de gens ont dit que Bahati ne pouvait pas être là et tout ça. Ils ont critiqué, ils ont créé des sujets sur la personne.
Alors que Modeste Bahati a apporté beaucoup de choses dans ces pays. Modeste Bahati a équilibré la politique en RDC. Comment ça a équilibré? Je l'ai toujours dit. À lui seul. L'AFDC, c'est une grande formation politique. Vous allez vous rappeler que c'est nous qui avions aidé les chefs de l'État à déboulonner les systèmes de Kabila. Ah, les autres diront MLC et... Non, mais écoutez... parce que vous étiez là. Non, mais l'MLC pesait combien, en fait? Parce qu'il s'agit de... Et Moïse Katumbi. Non, il pesait combien? Nous parlons du poids politique. L'MLC avait combien de députés à ce moment-là, avec la coalition FCCK? Ils avaient combien de députés? Vous avez réfléchi les comment de trouver, de créer, entre guillemets, l'Union sacrée? Comment nous pouvons créer? Mais il n'y avait pas de mécanisme à mettre en place. Comment bouleverser cela? C'est pourquoi les chefs de l'État ont dit, bon, écoutez, l'idée, l'MLC a discuté, ensemble des Katoumbi ont réfléchi, mais qui pouvait jouer ce rôle réellement de l'applicabilité de mettre en exécution ces plans-là. C'était Bahati, la première force politique. Il n'était pas seul quand même, il faut reconnaître. Non, mais lui était nommé informateur. Le travail qu'il avait comme informateur reconnu par le chef de l'État déboulonnait. C'est vrai qu'il était entouré de certains partenaires politiques, justement, qui l'ont accompagné dans cette mission-là, mais ce n'était pas simplement l'accompagnement, puisqu'il y a de l'accompagnement. Mais il y a le poids politique qui pesait. Bahati avait combien de députés à ce moment-là? Plus de 70, à moins que ma mémoire ne me trahisse. On avait combien de députés à ce moment-là? Et ça fait en sorte que lorsque nous sommes allés pour mettre en place, comment on appelle ça, l'Union sacrée, avoir une majorité parlementaire, nous nous sommes imposés avec nos députés, les députés des Katumbi, et les MLC ne pesaient pas à ce moment-là. Il n'y avait pas assez de députés nationaux, il faut le dire. Non, mais je ne refuse pas le travail que l'MLC a fait. Symbolique, quand même. Je ne refuse pas le travail de ce que l'MLC a fait. Je l'apprécie, j'apprécie ce qu'ils font. D'ailleurs, vous allez vous rappeler que Bemba Gombo était au champ lors de la campagne électorale du président. Oui, vous allez vous rappeler des sorties médiatiques qui ont d'ailleurs bouleversé les donnes sur place juste sur les avantages des Katumbi. Et ça fait en sorte que beaucoup de Congolais sont allés lire le président Tshisekedi, puisqu'on avait eu des révélations graves sur... Ça, honnête, ouais. Évidemment, je suis honnête par rapport à ce qui a été fait. Alors, maintenant, les métiers pèsent combien? C'est ça la question fondamentale. La politique est dynamique. Ils pèsent combien? Ils ont fait la campagne pour les présidents de la République. Bien, c'est très bien, mais ils pèsent combien? Alors maintenant, dans le partage des tâches de responsabilité, il faut regarder. La première force politique a eu quoi? La dernière force politique doit avoir quoi? La troisième, la quatrième, ainsi de suite. C'est comme ça que les choses doivent être faites pour ne pas léser les uns les autres. Nous disons qu'en principe, le principe était mis en place sur avant la sortie du gouvernement. On avait dit, lorsque vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un ministère. Un ministère, mais ouais. Nous avions 40 députés nationaux. La logique voudrait simplement dire qu'on devrait avoir 4 ministères, puisqu'on a 40 députés nationaux. Mais nous en avions 2. Mais dans ces décès que nous avions, on n'a pas une vice-primature, on n'a pas un ministère d'État. Voyez-vous? Donc ça aussi, c'est de l'injustice que nous avons subie. Et c'est pourquoi, jusqu'à ce stade, nous demandons qu'il y ait la réparation. Et je sais que le chef de l'État peut réparer cela d'une manière ou d'une autre, raison pour laquelle, vous allez vous rappeler de sa sortie médiatique, il a dit qu'on va évaluer certains ministres s'il y a de l'incompétence, etc. Je crois qu'il y aura les remaniements qui pourront peut-être aboutir à une sorte de solution. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de tâches de responsabilité que certains doivent en avoir suite aux clauses politiques. Il faut le dire, la politique, il y a des clauses, il y a des consensus, il y a la géopolitique qui prime. Justement, ça aussi. Il y a aussi le poids politique qui prime. Et nous pensons que ça va aboutir à cela. Mais je crois que si l'MLC réclame ce qui est de droit, c'est la démocratie, c'est une suite logique. Ils ont eu aussi à travailler. Ils sont aussi, je ne sais pas moi, ils sont quantième, la force politique, ils sont cinquième, sixième, septième, je ne sais pas moi. Mais parmi le parti politique qui ont accompagné le président, ils l'ont fait. Ils ont aussi quelques députés nationaux. Ils méritent aussi avoir quelque chose, puisque c'est le travail qu'ils font. Justement, pour illustrer ce que nous disons ici, écoutez un message de Daniel Mbaou, un député national honoraire, mais un cadre de MLC qui a dit « Le MLC et l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi ont été au nom du patriotisme les deux architectes principaux de l'Union sacrée de la nation. Depuis lors, malgré les humiliations répétées, le MLC a fait preuve de constance, de loyauté, de sincérité et voire d'humilité. Béat, en retour, il ne fait que recevoir cyniquement des coups et des humiliations, plus que ce que le régime Kabila qui a assené, plus que ce que le régime de Kabila lui a assené, alors qu'il était partenaire du pouvoir et membre du présidium de l'UNC. Voilà, c'est de l'USN, c'est-à-dire l'Union sacrée de la nation. Voilà un peu l'image. Mais est-ce que
Tout ce que nous voyons là ne fragilise pas l'union sacrée. Et cette réclamation est juste de la part d'un grand parti aussi comme l'MLC. Bon, dire qu'ils ont été l'architecte ou les architectes, principaux. Je crois que l'architecte, c'est lui qui fait un plan, qui élabore un plan. Et après c'est là, il y a maintenant l'exécution de ces plans-là. C'est-à-dire, lorsque le plan est fait, vous avez des maçons qui sont là. Des ingénieurs même. Des ingénieurs, des électriciens, qui sont là pour l'exécution. Je dirais ici que l'MLC est parmi peut-être des ingénieurs qui sont venus pour accompagner la vision du président de la République. Puisqu'on ne peut que choisir l'architecte, un architecte qui est outillé, qui a de l'expérience. Et c'est lui qui était l'architecte, c'était Modeste Bahati Lukwebo. Puisqu'il c'était la première force politique, il est venu pour l'exécution d'un plan. Alors, ils sont venus aussi pour qu'on mette en exercice ces plans-là. Et c'est tout à fait logique, normal, de réclamer ce qui est de droit. La question que je me suis posée, ils sont quantièmes en termes de force politique. Alors, maintenant, il faut regarder par rapport à la répartition, ce qu'ils devraient avoir. Ils ont déjà la vice-primature, Pemba Gombo, et vice-premier ministre. Alors, maintenant, nous, l'AFDC... Et un ministre d'État. Évidemment. Une ministre d'État. Évidemment. Nous, l'AFDC, je l'ai dit tantôt ici, nous avons été privés d'avoir la vice-primature et... le ministère d'État, Bahati Lukwebo est aujourd'hui deuxième vice-président du Sénat. C'est-à-dire, c'est une injustice, en fait, la réalité. On devrait être au niveau de l'Assemblée nationale, avoir une institution. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. C'est une injustice, nous réclamons, puisque nous sommes la deuxième force politique. Les revendications sont vraies. C'est bien. C'est maintenant au président de la République de voir comment travailler là-dessus et pour chercher à apaiser les tensions et les esprits. Bien que je ne suis pas d'accord avec l'esprit de l'UDPS, puisque certains veulent avoir tout. Vous savez, avant les élections du bureau définitif du Sénat, ils voulaient avoir la présidence, et puis un questeur. Nous nous sommes dit, attention, ce n'est pas l'UDPS seul qui a accompagné le président de la République lors des élections. Ce n'est pas l'UDPS qui a fait élire le président de la République seul. Il y a des partenaires politiques. Tu sais qui est dit à l'est de la République, à l'est, au Katanga, au nord Kivu, l'IDPS, c'est pas un parti phare de l'autre côté. Il faut le dire, il faut être vrai. Si vous allez au sud Kivu, c'est Modeste Bahati Lukwebo, c'est Vital Kamerhe. Si vous allez au Katanga, c'est Moïse Katumbi. Voyez-vous, donc, il faut être vrai. Au Kasaï, les deux Kasaï, ou le Kasaï en général, c'est l'IDPS. Voyez-vous, à Kinshasa, c'est le PPRD, c'est l'UDPS, c'est un peu tout à Kinshasa. Donc, on regarde la géopolitique, on regarde le contexte, etc. Donc, il fallait comprendre que chaque parti politique, chaque partenaire politique a apporté une pierre pour la construction de cette maison. Et c'est pourquoi il fallait que tout se fasse de la bonne manière. Alors, la revendication du MLC est vraie, ils méritent ce qu'ils doivent avoir, mais ils doivent comprendre aussi que le chef de l'État a joué, n'est-ce pas, ce qu'il a pensé, mais nous croyons que s'il y a réparation, il faut qu'il y ait réparation. Mais crise, ça, pas seulement, crise à l'interne, mais aussi crise avec l'opposition. Salomon Escadela, proche de Moïse Katumbi, qui devrait normalement occuper le poste de rapporteur adjoint, comme ça a été fait à l'Assemblée nationale avec Dominique Mounongo Inamizi, mais on voit qu'on met là un candidat. On a voté pour un candidat de la majorité. On parlait d'ailleurs récemment ici de Dipro, qui est quand même un... Non, attention, attention. Bahinde, c'est quand même au pouvoir. Non, Bahinde n'est pas du pouvoir, il est de l'opposition. Ah, de quel parti? Non, mais Bahinde... On en parle ici. Non, mais Bahinde, je crois qu'il a son parti politique. Il est de l'opposition. Membre des DIPRO de Constant Moutamba. Non, mais Constant Moutamba est dans l'opposition. Ah, comment vous expliquez ça? Non, mais c'est une opposition. Qui est opposant? Non, mais attention. C'est celui qui n'adhère pas à la politique. Non, c'est la mauvaise, dans la gestion. Non, c'est la mauvaise conception congolaise de l'opposition. Et ça, c'est une erreur faite par Étienne Tshisekedi Mulumba qui a fait imbiber aux Congolais ou aux combattants que l'opposant, c'est celui qui est radical. Qui refuse pas radical. Tout. Non, mais c'est ça. Un opposant ne peut pas concevoir un opposant ministre. L'opposant veut dire quoi? Ce n'est pas un gouvernement de l'Union nationale. L'opposant veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est celui qui n'est pas au pouvoir. Ça, c'est vrai. Il n'est pas dans la gestion des institutions. Justement. Ça, c'est vrai. Dès lors que vous êtes... Mais qui réfléchit, attention, qui réfléchit pour trouver des solutions, qui propose. Mais chez nous, au Congo, quand on est opposant, on ne propose pas, on ne réfléchit pas,
on insulte, on casse, on pille et on veut devenir président. Les insultes, on les voit des parts et d'autres. Hein? Mais c'est ce que j'ai dit. Je suis, ici, je parle maintenant de l'opposition. Mmh. Alors que l'opposition doit proposer. Et, mais quand on propose, pour aussi appliquer ces propositions, il faut être au sein des institutions. Vous pouvez être, d'ailleurs... À ce moment-là, vous n'êtes plus de l'opposition. Non, vous êtes toujours de l'opposition. Vous êtes toujours de l'opposition, mais vous servez la République. Vous savez, servir la République, moi je l'ai toujours dit, il faudrait éviter opposants, majorité. Ça, c'est nous, les politiques, qui avons accepté de parler de la majorité de l'opposition. Mais quand on vient servir la nation, l'opposant sert aussi la nation. Comment un opposant peut servir son pays? En proposant. En proposant, mais aussi en étant au sein des institutions. Ça, vous n'êtes plus opposant. Non, ça c'est faux, c'est la mauvaise conception. On peut être au sein de la majorité parlementaire, on soutient la vision. Puisque ici, on parle de la vision. Lorsque la vision n'est pas appliquée, c'est que la personne a dit « je veux faire » et que cette personne ne le fait pas. Et là, vous vous retirez des institutions pour dire « je suis allé là comme opposant, apporter des propositions et exécuter ce que j'ai comme pensée. » Mais cela n'est pas appliqué puisque celui qui porte la vision a une vision nulle. C'est ça, en fait, ce qui doit être fait. Mais chez nous, au Congo, on pense que, voilà, un opposant, c'est celui qui reste radical, qui doit dire « allez-y, brûlez », etc. Et d'ailleurs, Moutamba est dans une opposition républicaine. Je l'ai dit, c'est une opposition qui propose. Aujourd'hui, je vois M. Martin Fayulu qui fait des propositions. Je l'ai suivi récemment. Bon, j'ai suivi l'un de ses cadres, Presse Epengue, qui a dit « écoutez, il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour réfléchir comment nous devons trouver la solution. » Avec cette insécurité dans la partie est de la République, il faudrait une sorte de cohésion nationale, il y a des propositions qui sont faites. Si le président de la République décide maintenant de créer un cadre d'échange avec les opposants, ils viendront. Vous allez vous rappeler, avant les élections de 2023, la CENI avait invité des candidats présidents de la République ensemble, ils ont parlé. Ils ont discuté, ce ne sont pas des ennemis. On n'a pas parlé des ennemis. Mais c'est ce que j'ai dit. L'opposition, mais ceux qui sont dans les institutions. Non, mais l'opposition, il faut éviter de penser... Jean-Claude Baende, il est opposant. Il est opposant. Il a été élu comme un opposant qui est aujourd'hui... Les quotas d'ailleurs de l'opposition, rapporteur adjoint. Alors, lui a posé sa candidature, Salomon Escadel a posé... Lorsqu'ils sont allés comme aux élections... Comme la politique, c'est des coups. Non, attention, c'est pas des coups. L'Union Sacrée a fait attention, ses coups. Attention, est-ce que vous savez que il y a eu les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, Constant Moutamba était candidat, Dominique Mounongo était aussi candidate. Là, elle était de l'ensemble, mais Dominique Mounongo a battu Constant Moutamba. Ils sont allés aux élections. Là, c'était la justice. Maintenant, lorsque... Baende. Mais les contrats ne sont pas les mêmes, vous êtes d'accord avec moi? Là, Moutamba n'était pas au gouvernement. Non, mais il n'était pas au gouvernement, c'est rien, c'est vrai, il n'était pas au gouvernement. Il était opposant. Il est toujours opposant, bien qu'il est au sein des institutions. Il est opposant, et puis il était candidat. Et comment Dominique Mounongo, député national, elle était candidate. Ils ont compéti ensemble. Et Moutamba a été battu. Il s'est plié. Et voilà, ça a été fait. Mais acceptez aussi que Baende, d'ailleurs, nous avons vu les élections, c'était, il n'y avait pas de la tricherie, c'était au vu de tous, au su de tous. Donc, je crois qu'ici... On connaît quand même comment ça se passe avant, hein, avant les scrutins. Non, mais c'est cette mauvaise conception-là qu'il faudrait éviter. Il ne faudrait pas faire imbiber aux Congolais l'esprit de la corruption. On dirait que c'est en RDC que nous avons cet esprit-là. Il faut éviter cela. Quand les choses sont bien faites, il faudrait dire que cela a été très bien fait. Voilà, il y a l'évolution, il y a des avancées significatives. Et voilà, donc je crois que celui qui sait qui c'est, comment dirais-je, Baende est de l'opposition. Il a été élu sénateur, et rapporteur. Salomon Escadela a été élu sénateur, il est sénateur, il continue à travailler pour Ensemble de Mouska Doumbi. Justement, ouais. Et voilà, et s'il avait été élu aussi rapporteur adjoint, vous allez dire qu'il est de l'opposition, comment il fait partie du bureau. Non, ça ce sont des postes, électifs. Ah, bon, voilà. Mais le gouvernement c'est nominatif. Non, mais attention, tout c'est l'intérêt c'est quoi? Servir la nation. C'est ça, nous voulons servir la nation. Ça, ce sont des termes politiques. Non, mais pour camoufler, l'intérêt, la forme. L'intérêt, c'est servir la nation, c'est la République. Moi, je suis très heureux quand je regarde la politique française. Quand il y a un « ça ne va pas » au sein de la République, que ce soit le député de l'opposition ou de la majorité, ils disent la même chose. Je suis des fois, je suis cette dame que j'aime beaucoup, Marine Le Pen. Qui, de fois, elle est d'accord avec la politique qui a été mise en place, elle propose pour réajuster certaines choses. Quand elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. C'est ça, en fait, c'est ça la vraie politique, la vraie logique. On gifle un président français,
elle n'est pas d'accord, elle dit, c'est quand même une institution, il faut beaucoup de respect à l'institution président. Mais chez nous, si Tshisekedi tombe, alors ça c'est les TikTok qui vont parler, c'est... il faut respecter cette institution. On a aussi un peu l'impression que ce sont les mêmes personnes qui reviennent, vous êtes d'accord avec moi. Nous avons par exemple Samuel Koundé qui venait d'être premier ministre pendant 3 ans, et aujourd'hui il est président du Sénat pour 5 ans. Nous avons Bahati Lukwebo qui était président du Sénat pendant 5 ans. Aujourd'hui, il revient deuxième vice-président du Sénat. Nous avons notamment même Jean-Claude Baïndé qui fut gouverneur de l'Équateur. Donc, ce sont toujours les mêmes personnes. À quand cet renouvellement, ce renouvellement de la classe politique? On appelle que nos jeunes comme Éric Tshiswaka, ministre DG, PCA, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Dire qu'il n'y a pas un renouvellement de la classe politique, je dirais que ce n'est pas vrai. Il y a le renouvellement. En fait, les gens, je vais les dire bien pour que les gens comprennent. On impose, on ne se plaint pas pour le renouvellement de la classe politique. C'est un vent qui vient à petit feu. Aujourd'hui, vous avez des ministres jeunes au sein du gouvernement. Je citerai ici les ministres des médias, Patrick Muyaya. C'est un jeune. Vous avez Constant Moutamba qui est actuellement ministre de Justice, garde des Sceaux. C'est un jeune. Vous avez ces ministres, ministre hydraulique ou électricité, c'est lui qui a été l'ancien directeur général adjoint de la SNEL. C'est un jeune. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les institutions aujourd'hui, qui sont même des DG. Je citerai ici Miguel Cachel-Katem de la Respect, c'est un jeune. Vous avez certains PCA, Amissi Makutano, il est jeune. Alors, c'est une nouvelle classe qui est née, mais qui se forme, qui doit avoir des outils de sa politique pour avancer. Alors, certains pensent que les renouvellements de la classe politique, c'est que nous mettons le professeur Bahati de côté, nous mettons Vital Kamerhe de côté, nous mettons... Ça, c'est pas ça, les renouvellements de la classe politique. C'est une erreur monumentale que nous allons regretter les jours à venir. Donc, il faut aider... Comment regretter? Mais oui, nous avons besoin de nouvelles énergies, nous avons besoin de nouvelles idées. Nous devrions être à côté de ces grandes personnalités politiques. Apprendre, connaître, être outillé. Ils ne peuvent pas nous apprendre en étant en retrait. Non, mais attention. Nous allons vers eux, apprenez et attention, venir. Je vous rappelle que les renouvellements de la classe politique, c'est dans les temps, ça viendra, et ça vient, et c'est déjà là. Et nous sommes en train d'y travailler à petit fait. Il ne faudrait pas, comment dirais-je, faire un poids avec ces hommes sages-là, c'est pas important. Ça n'aboutirait pas à l'exemple de Bahati Lukwebo qui a joué les jeux de Mbosoko Diampwanga, de président ou deuxième vice-président du Sénat. Non, mais est-ce que c'est une violation de la Constitution? Non. Est-ce que cela doit léser les autres, les uns? On voit en France un ancien président devenir député national. Il était dans une grande institution comme président de la République. Et là, maintenant, il devient député. Il va commencer à proposer des lois, etc. Les gens doivent dire que c'est une honte d'un président. Kabila, s'il voulait être président du Sénat, par exemple, il pouvait l'être. C'est plus qu'il a refusé à ceux du PPRD de participer aux élections. Et il a boycotté être au sein des institutions. Il est resté, voilà, il pouvait être au sein des institutions et être président du Sénat, par exemple, ou être, je ne sais pas moi, ministre, etc. Ça, ce n'est pas, comment dirais-je, de l'impunité ou c'est rabaisser, non. En fait, servir la nation, c'est une question de volonté, une question d'âme. Et moi, je crois que Kengo l'a fait. Vous allez vous rappeler, Kengo a pris son congé politique quand? Après avoir... beaucoup servir la République. C'est ça, Léon, 80 quelqu'un. Non, mais je crois que cela n'est pas un problème. La politique, c'est vous pouvez le faire même à 100 ans, 200 ans. Si vous allez avoir 200 ans sur Terre, vous pouvez le faire. Si vous avez encore de l'énergie et tout ça. On a vu paix à son âme, Kizenga, être ministre, premier ministre dans ces pays. Il avait quel âge? Après, je crois, une année ou 2 ans. Il était fatigué déjà. Et puis, il a dit qu'il devrait se reposer. Mais il a servi la nation. Et il a laissé Adolphe Mozetou qui a continué à servir, etc. Et puis, Mozetou, c'était un jeune. Il est jeune. Il n'est pas vieux. Il apporte ce qu'il apporte. Et voilà, Matata Ponyo n'est pas vieux. Il est jeune. Donc, les gens peuvent servir. Mais il ne faudrait pas chercher à faire ce poids-là avec... Et d'ailleurs, les jeunes qui veulent à tout prix qu'on mette ces vieux de côté, si nous prenons ce jeune ici, comme ça, sans la formation, sans être outillé, je vous dis, ça serait une catastrophe incroyable dans ces pays. Nous devrions être formés
être outillés pour que réellement, lorsque nous serons sur les institutions. Les cursus académiques ne suffisent pas, hein, il faut. C'est important d'en avoir. Attention, les cursus académiques ne veulent pas dire avoir de l'expérience. Attention. Vous pouvez finir en économie, vous avez la matière, mais maintenant, il faudrait la technicité, l'intelligence, outre que ce que vous avez, pour appliquer cette politique-là économique. Ça, il faudrait être aux côtés de ceux qui ont de l'expérience, qui vont vous apporter cette connaissance-là, avec votre manière de faire les choses, et vous allez maintenant travailler pour en apporter. Mais dire, écoutez, j'ai fini en économie, j'ai la distinction en économie, je dois venir automatiquement chasser Soumino Toluca, être Premier ministre, est-ce que allez-vous faire mieux? C'est ça, c'est la grande question. Pour citer, s'il vous plaît, vous savez, bon, on voit ce qui s'est fait aujourd'hui. Moi, je ne suis pas d'accord avec certains qui entourent les présidents de la République, ceux qui critiquaient hier dans l'opposition et tout. Mais quand ils sont aujourd'hui aux côtés du président, vous voyez ce qui se passe après. On parle de ceux qui ne sont pas expérimentés. C'est vrai, il y a certains qui ne sont pas expérimentés et qui n'aident pas les présidents à pouvoir avancer. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut être aux côtés de ceux qui sont formés pour apprendre. Soumino Toluca était, je crois, au cabinet de, à moins que je me trompe, de Moukoko Samba à l'époque. L'époque, ouais. Elle a appris. Aujourd'hui, elle est Premier ministre. Et Moukoko Samba est ministre de l'économie. Ministre de l'économie, VPM. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'elle a appris. Elle est outillée, elle est formée. Et Moukoko Samba est heureux aujourd'hui de voir que cette dame a apporté quelque chose. Aujourd'hui, voilà, la politique est dynamique dans l'état de l'espace. Demain, Éric Tshisekedi peut être président de la République. Demain, Éric Tshisekedi peut être député national. Demain, demain. Donc, c'est la politique, elle est dynamique. Il ne faudrait pas faire un bras de fer. La politique est dynamique. Les jeunes ne peuvent pas quand même mettre directement nos vieux de côté. Ils doivent apprendre. Ils doivent quand même subir une certaine formation. Mesdames et messieurs, nous sommes vers la fin de cette émission. Mais nous n'allons quand même pas finir cette émission sans pour autant parler de la question épineuse du social des Congolais. Premier mandat de Félix Tshisekedi. On ne l'a pas vu vraiment à ce que je sache. Mais aussi à ce que la rue sait. Et deuxième mandat, on a vu certaines mesures en train d'être prises. Mais au premier mandat, c'était aussi le cas. On a vu Samalou Kondé, l'ancien Premier ministre, prendre certaines mesures supprimant la perception des TVA. Et cette fois-ci, il y a une batterie de mesures qui a été prise au niveau du gouvernement. Est-ce que Éric Tshisekedi, cette fois-ci, ça sera la bonne? Quel est l'impact de ces mesures? Vous savez, comment vous êtes aussi un économiste, un peu un économiste dans ce secteur de pétrole, bien évidemment. Est-ce que ces mesures-là peuvent avoir un impact, d'autant plus qu'il y a d'autres qui ont été prises avant? On n'a pas vraiment senti ça sur le panier de la ménagère. Les mesures, oui, c'est bien. Moi, je l'ai appelé les mesures conjoncturelles pour un temps. Mais je crois c'est ça le grand problème. Il faut des mesures structurelles. Tout à fait. Dans ces pays, il faut des mesures structurelles, des projections qui vont faire en sorte qu'il y ait réellement de l'équilibre et qui permettraient à stabiliser, je dirais ici, la vie de la population, puisqu'aujourd'hui, il faut les dire que la situation est catastrophique. Ça, je suis totalement... Les Congolais attendent jusqu'à quand ça va venir. Oui. C'est un échec. Hein? Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de choses là-dedans. On est passé par beaucoup de chocs. On est passé par tout ce que vous savez. On est passé par... On est en guerre, il faut le dire aussi. Toujours des boucs émissaires. Vous savez, je ne vois pas moins un pays en guerre développer son économie. C'est très difficile. Mais on peut résoudre ces problèmes quand on est intelligent. Il y a des mesures qu'on peut prendre pour trouver des solutions. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises à l'époque. Oui, oui. Mais ce pays n'a pas un problème que de mesures. C'est, je l'ai dit tantôt ici, de l'applicabilité des mesures qui sont prises d'abord. On prend des mesures, mais il faut veiller à l'applicabilité de ces mesures. C'est vrai, on veut supprimer des taxes et tout ça qui font en sorte que les coûts des biens soient élevés. Mais au-delà du fait que l'on supprime ces taxes-là, n'est-ce pas, il faudrait penser outre aussi. Nous avons un problème ici dans ces pays de la diversification du secteur de l'économie. Nous avons un problème ici, je l'ai toujours dit, notre balance commerciale reste toujours déficitaire puisque nous achetons tout ce qui vient de l'extérieur. La production interne pose un sérieux problème. Made in Jersey, on n'en parle pas. Ne produisons pas localement. C'est ça un problème. Pour vous relancer, j'avais suivi récemment le ministre, le VPM de l'économie, Moukoko Samba, qu'on venait de citer ici, dire que nous produisons
nous consommons 13 millions de tonnes de maïs, alors que nous ne produisons que 3 millions. Donc, un déficit de 10 millions de tonnes de maïs. Imaginez. Ça, c'est un pays. Imaginez. Et les, quand vous regardez tous les secteurs que nous avons, on a beaucoup plus privilégié les secteurs de mines, de minerais, tout ça là. Je crois que ça prend pratiquement plus de 70% du PIB de notre pays. Donc c'est ça un problème aujourd'hui. L'agriculture est abandonnée, pêche, élevage, tourisme et tout ce qu'on peut dire. Et ça pose déjà un sérieux problème. On pense que les mines, c'est ça le secret du développement de notre pays. Alors que je crois que ce secteur est un secteur qui a apporté... C'est vrai, ça apporte quelque chose, mais c'est un secteur de beaucoup de conflits, de beaucoup d'intérêts. Et c'est épuisable, hein? Évidemment. Alors maintenant, nous parlons de la diversification du secteur agricole. On a toujours dit, on va diversifier. Mais lorsqu'il y a le budget, lorsqu'on propose les budgets, etc., la répartition, c'est quoi, en fait? Quand vous regardez ce qui est réparti, vous trouverez que le tourisme prend peut-être 0, quelque chose. Vous allez. L'agriculture prend. Et c'est ça un problème. On n'affecte pas l'argent assez dans certains secteurs qui peuvent produire. Et c'est un problème dans ces pays. Même le secteur d'agriculture, de pêche et élevage pose un certain problème. Alors, on prend des mesures, oui, mais ces mesures-là ne seront pas exécutées, d'autant plus que ceux qui viennent fournir à l'État, n'est-ce pas, veulent gagner aussi. Ils ne voudront pas perdre. Et c'est ça aussi qui poserait un problème. Je vais vous prendre un cas. Il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, on a eu ces problèmes dans les secteurs des hydrocarbures. Vous allez vous rappeler... que les entrepreneurs dans ces secteurs ils ont imposé leur prix puisque ils voulaient à ce que l'État puisse mettre de moyens qui pouvaient les accompagner pour se sentir qui ont touché ces grands secteurs là. Et donc l'État était en déficit, il a fallu que l'État puisse collaborer avec les pétroliers, les experts pour trouver des solutions. Vous allez vous rappeler, les prix à la pompe étaient déjà augmentés et d'ailleurs, certaines stations ne vendaient plus. Pourquoi? Puisque les prix étaient exagérés et l'État ne voulait pas s'imposer. Et l'État a joué de sa politique pour dire moi, aux entrepreneurs, à ces gens-là, écoutez, moi, je veux ajouter autant pour pallier à ces problèmes et que ça ne puisse pas affecter sur la population qui doit. Donc l'État s'est imposé là-dessus. Voyez-vous, alors l'État a subventionné, c'est que j'allais dire, n'est-ce pas, les coûts du pétrole, évidemment. Et tout ça, c'est pourquoi, c'est puisque l'État n'a pas les contrôles du secteur, dans plusieurs secteurs, ça pose un problème. Si nous produisons nous-mêmes, nous avons les moyens de notre politique nationale, je crois que nous pouvons faire face à cela. Nous en avions même vu ici récemment, il y a quelques temps, quelques semaines, avec le transport ici. Les privés ont refusé... de travailler ce jour-là en disant que... C'était toute la ville qui était paralysée. Évidemment, puisque l'État n'a pas de bus pour assurer évidemment, ça pose déjà un problème. Si l'État avait des bus et que les privés grévaient, ça ne pouvait pas affecter. L'État allait sortir. Évidemment. Alors, c'est pourquoi j'ai dit c'est une sorte de faiblesse qu'il faudrait y travailler d'arrache-pied. Pas des mesures conjoncturelles. On a eu même des mesures conjoncturelles. Vous allez vous rappeler que l'État avait injecté plus de 30 millions, je crois, ça doit être entre 120 millions, quelque chose comme ça, à moins que je puisse me tromper. Je vais encore vérifier. Il avait injecté cela pour permettre à ce que l'on puisse stabiliser les francs congolais, les dollars avec le franc. Vous allez vous rappeler de ce qui a été fait un certain temps. Comment dirais-je, 10 dollars, c'était dans le, je crois, dans le 22 000 francs, quelque chose comme ça. L'État avait injecté, je crois, plus de 300 millions, quelque chose comme ça. Je vais me rappeler après. Ça avait un peu stabilisé pendant un certain moment. Et par après, évidemment. Alors, ça pose un problème puisque nous avons des mesures conjoncturelles pour un certain temps et puis après, ça pose après un problème. Ça, nous revenons alors, là, maintenant, il faudrait y réfléchir. Pour trouver des solutions, des mesures structurelles, c'est-à-dire des mesures sur le long terme, évidemment, pour regarder. Moi, je me pose toujours la question, est-ce que les gens réfléchissent, est-ce que les gens voient la RDC après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans? Nous ne voyons pas la RDC après 10 ans, après 20 ans, nous voyons la RDC maintenant. C'est un problème de leadership, là, vous. Bon, on m'a dit, joli, c'est vous, ça, mais là, quand même, j'étais en pâture. Le leadership n'est pas simplement le leadership au niveau de l'institution président de la République, c'est le leadership au niveau de toutes les institutions. Le ministre de plan. Il fait quoi? Il doit planifier, il faut qu'il y ait la projection, etc. Il doit, mais cela doit être accompagné avec de moyens aussi. Les ministres de l'économie, les ministres des finances, les ministres de quoi et tout ça. Ça doit être accompagné. Les leaderships, c'est à tous les niveaux. Dans notre temps, les Congolais font quoi?
Ils attendent toujours la venue de Jésus-Christ. Non, je crois que le chef de l'État, je l'ai suivi, il a dit que il faut que nous puissions nous impliquer. Il donne un peu la chance à ce gouvernement, Soumoino Toluca. Et je crois que peut-être que les choses pourront marcher si la volonté y est, et je l'ai dit. Mais il faudrait aussi reconnaître que le chef de l'État s'est beaucoup impliqué dans le secteur de la sécurité. Et ça, c'est très important. Vous savez, nous sommes agressés avec le Rwanda. Il y a beaucoup d'argent que l'État met pour l'armée congolaise qui est en guerre, je dirais, ici, avec le Rwanda, avec la communauté même internationale. La crainte, c'est que cette question de guerre soit un alibi à tous les coups. On parle toujours de la guerre à l'Est. Nous avions des problèmes à l'Est. Au-delà de ça, je l'ai toujours dit aussi, au-delà de ce qui est là comme l'insécurité en partie Est-Arabie, nous avons aussi un problème, je l'ai tantôt dit ici, c'est les détournements. C'est l'impunité, c'est l'immoralité. Si aujourd'hui... C'est le vrai frein de ce pays. Hein. Évidemment. Et les détournements, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, c'est vrai qu'on détournait, on ne savait pas, puisque l'inspection générale des finances ne parlait pas. Les ministères des Finances avaient le pouvoir sur tout. Et vous savez comment ça s'est passé à ces moments-là. Le chef de l'État, par sa volonté politique, il a donné la chance à l'inspection générale des Finances de faire son travail. Et l'inspection générale des Finances fait ses travaux. Il continue à dénoncer. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des millions de dollars qui sont détournés. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça maintenant, la suite logique. Qu'est-ce que nous faisons quand il y a des détournements? Est-ce que l'argent revient à l'État congolais? C'est une question que nous nous posons. Si maintenant nous travaillons, bien qu'il y ait l'insécurité dans la partie est de la République, l'État met des moyens et que l'État met aussi la main sur ceux qui détournent pour que l'argent de l'État soit canalisé pour la construction des routes, pour la stabilité du cadre macroéconomique, etc. Ça va aboutir à quelque chose. Donc ça aussi, c'est une des choses. La guerre, oui, nous sommes d'accord. Que la guerre y est. Nous sommes d'accord que l'État met des moyens pour la sécurité. Mais nous sommes aussi d'accord qu'il y a des détournements. L'État doit aussi s'impliquer là-dessus. Ça aussi, une chose. Je suis un acteur politique qui est sorti pour dire on est en guerre, on ne peut pas développer le pays puisqu'on est en guerre. Oui, on est en guerre, mais on peut développer la nation si l'argent volé là sert à quelque chose. Ça, c'est important. Si l'argent volé là, on peut, améliorer les conditions de vie de la population. Ça peut être utile. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, nous avons un problème de la politique de gestion. Et dans cette politique de gestion, je l'ai toujours dit, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la direction dirigée et tout ça. Il y a le contrôle. Et le contrôle aboutit, c'est vrai, il y a le contrôle qui doit aboutir à la sanction. La sanction doit être une sanction aussi positive ou une sanction négative. Oui. Alors, la sanction positive, c'est que lorsque quelqu'un travaille dans un secteur et qu'il apporte des résultats et qu'on voit qu'il y a des avancées significatives, il est bénéficiaire de certaines choses par l'État congolais. Voilà, et on applaudit à ce qu'il fait. Mais la sanction négative, c'est que lorsque dans ce que vous faites, il y a des détournements d'impunité, on vous arrête. Et l'argent de l'État, on doit voir cet argent rentrer. Nous avons eu des procès ici, 100 jours. Et ici, même des projets que nous avons ici, les tout. Voilà, rien n'est fait. Rien, je l'ai dit, rien. Et Alinguet souffre aujourd'hui. Il fait un travail, mais qui n'aboutit à rien du tout. Et c'est pourquoi... Nous voulions, l'actuel ministre de la Justice qui est là, Constant Moutamba, qu'il fasse son travail. Je tiens à l'apprécier. Il doit faire son travail. Est profond. Tout à fait. En République démocratique du Congo, la population souffre, on ne va quand même pas s'en cacher. On avait récemment ici, dans les réseaux sociaux, on montrait le pain pistolet, les petits pains là, les tout petits pains qu'on a ici au pays, notamment on a ici à Kinshasa, qui a augmenté des prix jusqu'à 400 francs, alors que ça s'achetait à 250. 300 francs récemment, le chef de l'État en a même évoqué lors du Conseil des ministres, le 7e, si j'ai belle mémoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Éric Tissot, qu'est-ce que vous avez un dernier mot? On va se séparer. L'amour de la patrie, c'est très capital, il faudrait aimer ces pays. Quand on a cet amour de la patrie, je crois qu'on s'est mis au travail pour développer la nation. Ayons la projection de notre pays. Voyons la RDC après 30 ans, après 50 ans, comment ça sera, travaillons-y et il y aura des résolutions. Mais si on ne le fait pas, je crois qu'on va commencer à changer de président, changer de députés nationaux, rien ne va changer. Les autres ont compris cela, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, les autres. Ils nous font la guerre puisqu'ils savent que nous sommes faibles. Ils savent que nous-mêmes, il y a des déficits en termes de gestion. Et alors, ils doivent nous affaiblir pour profiter. Et si aujourd'hui il y a une cohésion nationale, il y a des unités, il y a l'essence du patriotisme, je crois que nous serons un pays respecté. Les gens ne vont pas, les Congolais ne joueront pas à la dévéloterie pour aller aux États-Unis. Ils vont beaucoup travailler ici. Hein, ils vont beaucoup travailler ici pour gagner ici. Pour gagner ici. Vous savez, c'est bien quand on est, Bayer chez soi,
on est à l'aise. Mais quand on est locataire, ça pèse de payer chaque fin du mois l'argent et tout ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler. Nous sommes des bailleurs en RDC. Nous devons travailler pour mettre les Congolais dans des conditions, des bonnes conditions. Et voilà, c'est très important pour nous. Voilà, la politique, ce n'est pas que des insultes. La politique, ce n'est pas que des clashs, des pics. Mais la politique, c'est aussi la réflexion. Et c'est ça, décryptage. Pour vous, aujourd'hui, merci, c'en est fini, mesdames et messieurs, pour ce numéro du mercredi 14 août 2024. Pour que vous nous recevez 5 sur 5 chez vous. Il faut dire merci à une équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied. Là, j'ai dit merci à Giscard Tamba, j'ai dit merci à Guilain Boutella, Béni Fombofo Bogar Montréal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se revoit justement au prochain numéro. Au revoir.